C'est mon deuxième film là, aujourd'hui. En général, je viens tous les ans et puis j'essaye de ne pas rater. Je viens de Montréal. Pourquoi vous êtes fidèle au FIFO comme ça? C'est pour la culture. Moi, ça me touche énormément de retour à la culture. Ça fait plusieurs années que je ne l'avais pas fait et on voit plein de couleurs de tout le pays océanien. Magnifique. Est-ce que vous pensez que le FIFO, il a pris son envol là? C'est devenu vraiment un festival très intéressant. Oui, au fur et à mesure, il évolue très bien, tout à fait. Vous avez trouvé comment cette édition de cette année? Il y avait des films particulièrement intéressants? Ah oui. J'ai beaucoup aimé Kumuhina, j'ai pas vu Tender, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oh, il y en a plusieurs, hein, que les problématiques sont toujours intéressantes et c'est plein de tendresse, d'émotion, ouais. Je crois pas que c'est de mieux en mieux, je pense que ça a toujours été très bien. Vraiment, moi je suis, à chaque fois j'en reviens ravie et il y a des documentaires exceptionnels, je fais toujours des découvertes et c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois. Voilà, de mieux en mieux, non je pense pas, ça a toujours été très bien pour moi, voilà.